On s'approche de l'un des loups de mer à voile rouge. Un peu plus près. Excellent! Nous en avons isolé un du reste de la flotte. À bord de le bateau ennemi, une fois que son mât est tombé. Nous devons connaître les rondes des autres mercenaires en patrouille. Si on y arrive, on pourra les attaquer par petits groupes. Aux armes! Leur mât est tombé! Percute leur bateau et va à l'abordage! Si tu bats ce capitaine à voile rouge, ces mercenaires prendront les armes. Tenez-vous prêts, les gars. Ça va pas tarder à swinguer. C'est une bataille à 3 contre 1. À toi de jouer, Sly. Si tu navigues comme il faut, on devrait gagner. Thank you.
On s'approche du gros morceau. C'est du 4 contre 1. Sois vif et tâche de rester hors de portée, car ils sont coriaces. Voilà le dernier loup de mer à voile rouge. Quand on aura fini avec eux, on pourra entrer dans la baie du bain de sang sans craindre une attaque surprise. Opération retour de boomerang. Notre but, vous le savez, c'est de sauver Pénélope. Vu qu'elle est très maligne, la fouine a certainement dû l'enfermer dans un endroit très sécurisé. C'est soit dans le fort mort, soit dans les geôles du tête de mort. Nous ne sommes pas assez pour les attaquer simultanément et allons donc avoir besoin d'un petit coup de pouce. D'abord, il nous faut attaquer le tête de mort. L'effet de surprise et notre super canon devraient jouer en notre faveur. Mais n'oubliez pas, Pénélope est peut-être à bord. Ce bateau ne doit donc pas couler. Une fois le mât tombé,
Sly sautera à bord du vaisseau ennemi avant de se rendre. C'est une phase nécessaire pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y aura trop de pirates et qu'il ne pourra pas tous les tuer. Et puis, parce que c'est le meilleur moyen de parler avec la fouine. Comme c'est un gros crâneur, il nous dira certainement où il a caché notre ami si on le met en colère. Compris, Sly? Tu dois le faire sortir de ses gonds. C'est notre seule chance de sauver Pénélope. Quand il aura parlé, on enclenchera le plan A ou B, selon la situation. La fouine est un grand rusé. Mais nous allons devoir être beaucoup plus malins que lui.